et tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Destiny de Paldea, la last. Et je suis en compagnie de... T'as l'air boosté. Bah ouais, je me dis que ça peut pas être pire que... Imagine. Un hit. MissBigGirl45 évidemment, on a fait de pire en pire jusque là, on ne savait pas qu'à chaque fois c'était possible. Après, les deux premières, c'était cool, et après, on est allé en enfer, et on s'est dit, non, ça peut pas être pire, celle d'après, tu vois. Et c'est toujours pire. Donc là, on a eu deux hits, trois hits, voilà. Je me dis, on peut pas faire pire. On peut normalement pas faire pire que trois hits dans une TB de 9 boosters. Réponse, tout de suite, on ouvre tout ça comme d'habitude, et on se retrouve devant nos 9 boosters. Ah, c'est terrible. Allez, c'est parti, premier booster. Bon, les amis, je ne vais pas vous mentir que nous sommes en totale dépression pour l'instant. Sophie, on y croit? Oui. Allez, 6 ETB quand même, les gars. Bon, par contre, on a eu toutes les AR quasi, à part Super Dauphin. Mais même pas une alternative à vous montrer, Super quoi. Bon. Non, mais vraiment, tu rigoles. Bah non, mais même pas une alternative à leur montrer, arriver, quoi. Là. Allez, on y croit. Fragouin. Clove. Allez, première Shiny, ça commence. Hop là. Beraska. C'est ça. C'est pas grave. Et attends, on a peut-être bien le TB. À chaque fois, il y a un hit. Un hit booster, par booster. Attends, on s'enflamme pas, on s'enflamme pas. Quand ça commence comme ça, moi je te le dis. Allez, mais moi on y croit. C'est d'ailleurs aujourd'hui la sortie officielle, voilà. Normalement. Hein, aujourd'hui, ou c'était peut-être hier si j'ai fait un décalage, si j'ai merdé dans mes montages, mais... Ça y est, c'est sorti. Bah force à vous, hein, si vous avez lâché beaucoup d'argent et que vous n'avez rien aussi. Magma. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire un peu ce que vous avez eu, évidemment. Ça nous intéresserait, je pense. Salamèche. Ça t'intéresserait pas, toi, si, si. T'as pas l'air intéressé. Bah si. Comme ça, on va voir qu'on n'est pas les seuls à s'être fait avoir. Oh bah, hé, hey, dis pas ça, dis pas ça. Rhinolove. Il y a forcément des... Si nous, on n'a pas de chance, il y aura forcément des gens qui auront de la chance. Ah bah oui, j'espère aussi. Allez. Bon, que dalle, hein, évidemment. Hein. De toute façon, j'ai arrêté tout espoir d'alternative, je pense, sur les 6 ETB quand même. Et on part sur un pomme de pire. Troisième booster. On a des records à battre, hein, les gars. Hein. Attention. Hein. On a un petit record de 3 hits de merde à avoir. 3 hits ou moins. Le singe. Ça peut se faire, hein, vous nous connaissez. On est capable de tout. Du meilleur comme du pire, nous. Hein. Oh, regarde. Pikachu. Dommage, oh, pomme. Pomme. Oh, Triopico. Eh ben, attends, est-ce que ce serait pas... ah non, c'est notre troisième booster. Bon, on a eu un booster à vide. Bon, Triopico, c'est pas mal. C'est bon. Hey, là, on est à égalité avec le display d'avant. Tu vois, c'est moi... Alors, je rappelle le chat que c'est moi qui ai choisi, évidemment. Super, bah oui, bah c'est plus facile, il y a moins à choisir. Super bonbon. Frigodo. Pomme de pique. Chamalao. Quincia. La Quincia. Kirlia. Sac de Menzi. Natu. Élève de Paldea. Oh. Eh ben, un petit quand même. De la merde, mais un petit. C'est déjà mieux que là, le TB d'avant. Allez, on va sur un petit. Lopio, j'aimerais vraiment vous montrer une alternative, mais là, comme vous le voyez. Si vous voulez voir une alternative, il va falloir venir soit sur les lives le vendredi sur Twitch MrBboy45, soit me suivre sur Instagram MrBboy45YT. Ectoplasma. Allez-y. Malvara. Oh, c'est pas vrai. Bagwin. Allez. Allez. Un booster à vide. C'est pas grave. Il reste 4 boosters quand même. Les amis, j'ai un canal sur Instagram où on parle de Pokémon avec Sophie, avec vous. Je vous montre mes derniers achats, mes dernières acquisitions. On se fait plaisir, on se régale. Oh, donc suivez, venez sur Instagram, MrBboy45YT évidemment. Hyperbole. Et rejoignez le canal. Pas mignonne. Comme ça, je ne vous cacherai Colline. Rien. Claire de lune. Oh. Allez, Mew. Regarde voir. Oh, nice. Oh, je suis content. Allez, ça c'est bien. Peut-être une Alderière. Mais écoute, il fallait pas trop rêver. Ouais, non, il fallait pas trop rêver. Allez, mais très content. Ouais. Oh, Gardevoir, une des plus belles avec, d'après toi... Dracaufeu. Non, pas du tout. Dracaufeu, elle sera dans une Pokébox avec Mew. Ah oui, oui. Ah, voilà. Tu parles, ouais. Oui, en fait, le problème, c'est que tous les starters et tout, c'est dans les collections premium ou dans les Pokébox. En gros, t'es obligé d'acheter un item de chaque. Ouais, bah, ils sont très malins. Allez, on est parti. Charbonne. Vrombi. Rigodo. Rigodo.
Et d'ailleurs, ça sera le retour aussi des petites boîtes, des... Tu sais où il y a 6 boosters dedans? Donc ça, c'est très très cool. Et, ouais, et on va en ouvrir sur la chaîne, Sophie. Parce que c'est vraiment très très cool. Allez. D'enfant. Rien. Allez, s'il te plaît, une halte. Il y a un truc. Non. Oh non, tu m'as fait rêver pour rien. Oh, elle m'a fait rêver Mimiki. Pour rien, non. C'est un booster, il y a quelque chose, un booster, il y a non, rien. Non, tu m'as fait rêver pour rien, Sophie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais dis pas, il y a un truc sur la place de l'Alt. Parce que Sophie, tu vends des paillettes, des étoiles. Bah ouais, bah ça brille un peu. Hein. Allez, moi j'y crois, moi. On y Allez. Croit. Mondo. Barloche. Je crois qu'il y a un truc. Mais vraiment, je pense. Hein. Gourmelé. Allez, allez. On verra. Clove. Clove. Genre ça brille plus que la normale. Je sais pas, mais je pense. On va vite le. Bon, allez, ça c'est rassurant. Non, non, non. Tiens, il y a un truc. Oui, bah ouais, ouais, Dracofeu. Je veux une halte. Donnez-nous une halte en vidéo, dernier booster. Ouais, par contre, alors, si je fais le truc qu'on a fait. Donnez-nous une halte, s'il vous plaît. C'est le dernier booster. Les prochaines vidéos dessinées de Paldea, ça sera donc les bundles de 6 boosters. On en ouvrira quelques-uns en vidéo, en espérant avoir au moins une halte en vidéo. Bon, oui. Après, je sais que j'en aurai des haltes, mais ça sera sûrement en live et en off, et ça, ça m'embête. Je veux les avoir en vidéo, moi. Allez, bagaille. Okay. Prinolove. Aquincha. Aquincha. Ah. Allez. Oh, Doduo. Doduo. Très bien, peut-être là, non? Non. Dommage, Raichu, ceci dit, en reverse. T'as pu le côté où dès que t'avais une... Ah, t'avais un autre truc derrière, un autre hit. Bah si, là, on a fait quand même des boosters à double et triple hit, là, Sophie. Hein, vraiment, pour le coup. Ah, oui, ah bah oui. Faut que je regarde. Parce que c'était pas les meilleurs hits, en vrai. Bon, ETB, normal. Ouais, classico. Voilà. Elle est pas... C'est pas la meilleure, c'est pas la pire. On revient, on finit sur une ETB OK tiers. Il est temps de faire un petit débrief des 6 ETB, un jour une ETB qu'on a fait jusqu'à la sortie officielle. On va vous montrer tout ce qu'on a eu et on se retrouve tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire lesquels sont vos préférés. Voici donc le récapitulatif de 6 ETB. Je vous laisse faire le calcul à la maison. On va partir du principe qu'une ETB c'est 60 euros. Donc vous faites 6 x 60, 65 euros, voilà. Et vous avez le prix. Donc là c'est juste les ex et les terra cristallisés. Rien de fou, soyons honnêtes là-dessus. Et là, on va vous montrer par contre donc le plus, comment on peut dire, bon, le plus intéressant, Sophie, hein, je pense que, voilà. Hein. On va vous montrer le plus intéressant, à savoir les shiny, parce que c'est le but de Destinée de Paldea, c'est de vous montrer les shiny. Allez, on est parti, donc c'est le récap des 6 ETB. Famignol, Rookupsa, qui est très belle, Olivado, Un sécateur une fois. Olivini. Un sécateur deux fois. C'est la seule qu'on a eu en boucle d'ailleurs, en vrai. Scorvilain. Triopico. Ferrosinge. Ferrosinge. Une des meilleures. Berasca. Flotignon. Forgella, oui, pardon. Et Pomme. Et là, on arrive sur les... Bon, là on arrive sur les full art. On n'en a eu que deux. Il faut savoir qu'en full art de disponible, me semble-t-il qu'il n'y a pas de Pokémon. Hein. C'est que des dresseurs. C'est les élèves de Paldea. On a eu les deux élèves de Paldea et ils sont différents. On n'avait pas fait attention. On pensait que c'était les mêmes, mais pas du tout. Alors, c'est la même carte, je crois. Hein. Oui, c'est totalement la même carte. C'est la même carte, mais c'est pas du tout le même art. C'est les deux élèves de Paldea différents. Donc on est très content pour le coup. Une déception en moins, entre guillemets. Ouais. Là, on arrive au full art, évidemment, shiny, avec la magnifique, la sublime Gardevoir, qui est la plus belle avec Mew. Gros doudou, excusez-moi. Cléopsytra, ça, j'y arriverai jamais, celui-là, à le retenir. C'est Cléopâtre. Tapatoès. Et on arrive à la seule Cyan and Gold qu'on a eue, Coraidon, évidemment, très cool. Ouais. La Mimiki, on l'a eu à chaque ETB, hein, voilà, évidemment, c'était gratuit. Triopico qu'on a eu x2, voilà, donc deux Triopico. Et ensuite, évidemment, la pomme qui est magnifique, belle, la plus belle, hein, je pense, des Shiny. Donc ça, c'est que des AR, entre guillemets. Et voilà.
pas d'alternative à vous montrer, un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais pas d'alternative, mais on vous a montré pas mal de Pokémon Shiny. Vous avez un avant-goût, alors faut savoir qu'en alternative, il y a 3 dresseurs alternatives et 3 Pokémon alternatives, c'est tout. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est très très dur à faire tomber. Et des airs, il y en a que 3 aussi, et c'est très très dur. Enfin, il y en a que 4, c'est très très dur aussi à faire tomber. Tout le reste, c'est des Shiny, et il y en a au moins 180, c'est infernal. On est pas prêt de faire le full set. Est-ce qu'on va tenter le full set? Je sais pas, je pense pas. On va voir. On va essayer de faire le maximum qu'on peut faire, mais tenter le master set, ça me paraît un peu compliqué. On verra, peut-être réponse à l'avenir, peut-être qu'avec les load bundles, ça va nous motiver à mort. Ouais, ça, parce qu'on va les faire échanges, tomber de l'alternative. On verra. En tout cas, on garde espoir. C'était un jour une ETB. On espère vraiment que le concept vous a plu jusqu'à la sortie. Nous, ça nous a fait plaisir. On va manger parce qu'on mérite. On a tout tourné en une fois, on va pas se mentir. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas les j'aime et les commentaires à chaque vidéo. Ça soutient énormément. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. Ciao. Bye bye.